dans le hall C de Laval Virtual, salon de la réalité augmentée et techniques immersives. Nous sommes donc ici invités par notre client que nous remercions chaleureusement. Et nous sommes donc avec Anthony Merzouki. Est-ce que tu peux donc nous dire quel est ton statut, ton rôle au sein de Caviar? Alors moi je suis cofondateur au sein de Caviar, une application, une solution qui vous permet de faire de la réalité augmentée vous-même. Donc je suis la partie logicielle, donc la partie back-end. L'équipe est composée de 3 cofondateurs, Monsieur Ruiz Michel, équipe marketing et direction marketing et CEO. Et Wajdi Benraba qui est la partie scan mobile, expert en réalité augmentée. Voilà. D'accord, chacun son rôle. Chacun son rôle, une bonne team de vainqueurs. J'en doute pas une seconde. Ok, c'est la première participation au salon? Alors c'est la toute première participation, donc il faut savoir qu'on a été sélectionné par Laval parmi un panel de 100 startups, donc on est dans le top 10 des startups et on a gagné ce stand pour exposer notre produit à Laval Virtual. Félicitations. Ben, c'est gentil, merci. Place bien méritée. Alors cette application, on va revenir dessus. Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement en fait ses avantages et son process? Alors, l'avantage principal de Caviar, c'est qu'en fait, vous pouvez, vous faites de la réalité augmentée vous-même. C'est-à-dire qu'on a mis à disposition un outil en ligne, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, où vous allez, depuis chez vous, piloter en fait vos contenus. Vous allez ajouter des médias digitaux et vous allez enfin donc pouvoir connecter tout ce qui est papier au digital et afficher par-dessus vos papiers une photo ou autre, tout autre support des contenus digitaux. Voilà, donc ça peut passer par de la vidéo, du lien, du GIF, de la 3D, tout type de contenus digitaux. L'avantage c'est qu'aujourd'hui, quand quelqu'un passe devant une affiche ou une carte de visite, regarde une carte de visite, on ne sait pas combien de personnes ont vu cette affiche, combien ont pu s'arrêter devant et consulter l'affiche. Grâce à Caviar, vous allez enfin pouvoir savoir qui s'est arrêté, qui a regardé, qui a cliqué, puisque vous pouvez intégrer des liens donc, par-dessus dans la réalité augmentée. Et vous allez pouvoir suivre et traquer un peu vos utilisateurs et savoir pourquoi votre affiche a été adorée ou consultée. Alors ça c'est très important dans la mesure où quand on est entrepreneur, on a besoin de savoir effectivement la fréquence d'utilisation, le profil de nos clients et de nos utilisateurs pour justement améliorer l'application et la perfectionner jour après jour. Oui, c'est hyper tout, important. C'est tout l'intérêt de ce qu'on a fait, c'est que c'est grâce aux utilisateurs qu'en fait qu'on construit l'usage. Nous ce qu'on veut avec Caviar c'est l'offrir à tout le monde, que tout le monde l'utilise au quotidien, dans un an, dans 6 mois, dans 3 ans. Que ce soit vraiment un usage collectif et que partout où on va, il y a des contenus augmentés qui ont été créés par les utilisateurs. On veut passer par de la fenêtre simulée sur une façade de maison. On va passer par des vidéos de voyage avec des boutons pour commander un produit. Quand vous recevez vous achetez votre ordinateur, quand vous le déballez chez vous, vous allez scanner l'emballage, on va vous remettre des notices. Quand vous allez scanner une notice d'utilisation d'un montage de meubles, vous allez voir exactement où mettre les vis au bon endroit. Enfin voilà, les usages sont assez variés et c'est l'utilisateur qui construit en fait le besoin et l'usage. Donc c'est participatif, interactif et évolutif. C'est exactement ça. D'accord. Très bien. Depuis combien de temps finalement l'application a été créée, en tout cas lancée? Alors le produit en lui-même, on le conçoit, on le réfléchit, on le perfectionne depuis 2 ans à peu près. On a lancé la start-up en mois d'août, donc août 2018. On a eu tout de suite l'effet un peu waouh, c'est génial. Donc on s'est dit, on est parti et on se met dessus à fond. Alors c'est quelque chose qu'on fait par passion, c'est pas notre métier, même si chacun a son travail à côté. Donc on va faire ça en dehors des horaires de travail, le soir, le week-end, parce qu'on est passionné, on a envie que ça fonctionne, on a envie que le produit décolle. Et c'est quelque chose qu'on fait donc depuis le mois d'août. Et on est déjà là, une V3, V3 bien aboutie, où on continue tout le temps d'utiliser les retours clients pour augmenter notre application, la converger vers l'outil parfait. Mais comment est née l'idée de Caviar finalement? Alors, l'idée elle est née simplement en fait d'un constat, c'est que on avait cette technologie en fait qui décollait pas. Comme dit, que je vais raconter l'anecdote que dit Monsieur Ruiz souvent, c'est qu'à l'époque du DVD, ils ont sorti le lecteur DVD, ça marchait pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de film en DVD.
Et dès que les films sont sortis en DVD, ça y est, ça a cartonné et tout le monde utilisait le lecteur DVD. Donc là, c'est un peu l'idée de la réalité augmentée. C'est, ça ne fonctionne pas comme on l'entend, comme on pourrait l'espérer encore aujourd'hui. Ça fait des années que ça existe, ça fait près de 10 ans, la réalité augmentée qu'elle existe. Ça ne fonctionne pas parce que les gens ne savent pas se l'approprier. Ils ne savent pas quoi en faire, ils ne savent pas comment l'utiliser, ils ne savent pas l'exploiter. Aujourd'hui, nous, on a fait un outil où tout le monde, de 7 à 77 ans, peut s'inscrire et tester chez lui, laisser un post-it sur le frigo pour sa femme, augmenter une photo pour mamie, une carte postale, en lui envoyant une vidéo derrière des petits-enfants qui discutent. Un catalogue, vous téléchargez un catalogue à la maison, vous avez un catalogue de 3 Suisses, vous regardez le catalogue, vous avez les meubles en 3D, Conforama l'a fait sur certaines des campagnes de publicité. Enfin, les usages sont vraiment assez variés. Donc on télécharge l'application, donc caviar.app. Hein. Caviar.app, c'est 7 jours d'essai gratuit en plus. C'est offert, c'est cadeau. Voilà. On importe tous nos contenus sur la plateforme, sur l'interface. Exactement. C'est ça. Exactement. Et après, on va jouer avec ce contenu pour l'intégrer ou pas sur les captations photos qu'on peut prendre avec notre appareil. Et c'est exactement c'est ça. En fait, vous avez deux parties. Donc la partie mobile, où vous avez juste le scanner qui va déclencher ce que vous avez mis dans le logiciel. Et vous avez la partie, donc là on a l'exemple ici, où vous avez une affiche dehors de concert. Et quand on scanne avec le téléphone, on a la vidéo du concert qui apparaît. Donc là on a l'exemple en réel. Je vais supprimer la vidéo, je vais ajouter un lien Facebook sur l'affiche. Et au moment où je sauvegarde, l'utilisateur dispose du lien et peut cliquer et consulter la page Facebook. Donc d'accord. Ça c'est un exemple typique de ce qu'on regarde. D'accord. En termes de secteur d'activité concerné, finalement ça peut concerner quel secteur? C'est très très large. C'est justement le client qui va décider de son secteur. Ça peut être de l'information pédagogique. On peut imaginer un photocopieur. Quand on scanne le photocopieur, hop, il y a une personne qui apparaît, qui a été filmée auparavant, qui explique comment fonctionne la machine, qu'est-ce qui se passe s'il bourrage papier, etc. On peut imaginer une vitrine d'immobilier où l'agence est fermée, il est 22h, mais j'ai vu un appartement. Je voudrais voir un peu plus de photos. Et là, j'ai juste une pauvre affiche A4. Je vais pouvoir augmenter l'affiche et voir toutes les photos de l'appartement ou de la maison. On va pouvoir avoir une visite 360. On va pouvoir faire un lien vers le détail pour louer la maison. On peut imaginer un catalogue de séjour où on peut afficher la vidéo du camping où on va aller, où on va séjourner, toutes les activités qui sont autour. Et des réservés depuis donc en fait le flyer, réservé en cliquant sur le bouton et en arrivant sur le site directement. Est-ce qu'il est aisé de mettre à jour son contenu via l'application? Alors je peux vous faire une petite démonstration pour vous prouver la facilité. Okay. Vous avez ici donc le logiciel en question. On a ici donc une carte de visite qui est représentée ici par le visuel. Et tout ça, c'est les contenus en fait digitaux qui sont placés sur la carte avec des liens téléphoniques. On peut décider de jouer avec en affichant des réglages de transparence. On peut la tourner. On fait vraiment ce qu'on veut. C'est un petit logiciel en ligne de montage photo. D'accord. Une fois que vous avez fini ça, donc vous pouvez aussi gérer qui apparaît en premier. Donc par exemple, voilà, je vais monter ici. Vous avez une gestion de calque qui apparaît en premier sur la carte. D'accord. Une fois que c'est terminé, vous sauvegardez ici. Vous sauvegardez. Bon, je peux le sauvegarder du coup. Et vous téléchargez donc l'appli. Alors je la remontre. L'appli scanner Cavia, qui est aussi simple que ça. Démarrez le scan. Vous regardez du coup la carte de visite. Et vous avez donc. Alors je suis de l'autre côté, pardon, excusez-moi. Et vous avez donc la carte qui s'affiche avec les contenus qu'on vient de mettre en fait sur l'ordinateur. Donc là, un petit problème de réseau, ça arrive, les contenus arrivent. Ils sont dans le cloud, donc il faut qu'ils se téléchargent, mais en gros, si vous avez compris l'idée. Donc là, vous avez la boîte de caviar, vous avez les liens, etc. Je le relance. Vous voyez, pas de réseau. Donc évidemment, c'est une solution qui fonctionne dans le cloud, donc il faut toujours du réseau Internet. Oui. On est en train de prévoir justement dans les développements qui arrivent dans le semestre un mode offline qui permet de capter les contenus avant d'aller à un rendez-vous par exemple, de capter les contenus dans... commence à arriver la deuxième image. Là, c'est des vraiment... conditions extérieures. Le problème, c'est qu'on est sur un salon avec plus de 20 000 personnes. Donc, si tout le monde capte la 3G, la 4G, la Wi-Fi... Il y a des bouchons. C'est des bouchons. Il y a des bouchons dans les tuyaux. Bon, on comprenait un peu le... J'aimerais bien que les derniers arrivent, parce qu'ils sont pas très lourds, en plus.
Dommage. Bon, je fais on a vu les trois personnes. Voilà, hein. Je fais une simulation. Donc les trois personnes qui sont ici, en fait, voilà. Simplement. Donc, je les retrouve sur la carte de visite. Voilà, ça y est, tout est chargé. Super. On a enfin l'effet. Donc là, vous pouvez tourner. En fait, ça capte, ça suit. C'est fixé au support. Vous voyez, vous avez l'effet un peu effet élastique. Et du coup, vous pouvez cliquer sur un lien pour afficher directement le profil de la personne. Alors, je ne suis pas connecté à LinkedIn, mais si j'étais connecté, d'accord, j'affichais directement le profil. Ok. Voilà pour la démonstration. Très bien. Vous voyez, donc c'est simple, c'est très simple d'utilisation. Et on fonctionne en fait en licence. Donc, d'accord. Vous avez juste à souscrire à une petite licence en ligne. Alors ça va de quelques euros à quelques centaines d'euros pour les professionnels. Et voilà, vous souscrivez à la licence. Vous utilisez le logiciel à votre guise et de la meilleure façon que vous pouvez. D'accord, très bien. En tout cas, on a hâte d'utiliser cette application qui promet de belles évolutions, j'imagine. Alors oui, tout à fait. Des surprises, on ne va pas en dire beaucoup parce que voilà, c'est des surprises. Il y a beaucoup de surprises qui arrivent. Pour les amateurs de réseau augmenté, vous allez pouvoir, du coup, là, on est fixé un support. En fait, il y a deux types de réseau augmenté. Il y a la réseau augmenté sur un support accrocheur, on va dire, ce qu'on appelle un marqueur. Vous avez la rate augmentée, vous allez pouvoir décider d'afficher par exemple, comme le fait l'application IKEA, pour pas citer de marque, vous pouvez afficher un meuble, en fait poser un meuble sur le sol directement dans votre salon. Donc ça c'est la deuxième étape de Caviar s'il arrive. Et vous allez pareil pouvoir piloter cet outil depuis le cloud. D'accord, très bien. Donc après il y a une dernière chose que je voudrais ajouter, c'est que oui, aujourd'hui Caviar, c'est on reverse 5% de notre chiffre d'affaires à des associations et des organismes écologiques. Puisqu'on est quand même sur une technologie qui coûte pas grand chose à l'environnement, en tout cas en empreinte carbone. Mais par contre, tout ce qui va être derrière les appareils, les téléphones, les devices pour se connecter, ça a une empreinte carbone et on se doit de reverser un petit quelque chose pour l'environnement. Donc ça c'est la partie un peu écolo de Caviar. Et la deuxième chose, c'est que si jamais vous êtes revendeur, si vous êtes étudiant, si vous êtes, si vous voulez une marque blanche, vous nous contactez et on s'occupe de ça pour vous. Très bien. Donc une application vertueuse, virtuelle, convaincante et interactive, coparticipative. Ça fait beaucoup d'ingrédients et d'atouts pour Alors, Caviar. Vous voyez tous ces ingrédients? Oui. On peut les représenter par les petites billes de caviar. Et nous, les petites billes de caviar, c'est ça qu'on aimerait offrir à tout le monde. Ah bah écoutez, en tout cas, merci pour cette démonstration, Anthony. Merci pour à l'équipe entière, hein, parce que c'est toute une équipe qu'il y a derrière. Et puis, on va vous suivre de très très près. D'accord? C'est, bah, avec plaisir. Merci beaucoup. À bientôt.